Bon, objectif premier, toujours à, enfin, objectif premier, secondaire, la fosse Gutneibor. On va voir ce qu'on trouve. Oh, objectif premier, c'est vraiment Gutneibor. Faudrait vraiment qu'on réussisse à l'atteindre. Ça nous donnera un lieu en plus pour éventuellement faire commerce, donc ce serait plutôt cool. Mais pas facile, facile. Pour l'instant, en tout cas. On est comment? Good Neighbor n'est pas trop mal. Ça, c'est le labo. Ouais. Alors, je ne vais pas de suite aller tuer tous les mecs là-bas. Hein. Je vais m'abstenir. On ira tous les tuer quand on aura la récupération de la meuf à faire là-bas. Là, dans l'instant, on va pas s'en préoccuper. Bon. Neighbor. Et comment? Descendre. Wow. Descendre par là-bas, par exemple. Serein. On va trouver le siège régional de Voltec. Signal de la Trinity Tower a été perdu. S'approche. Alors par contre, on a carrément réussi à esquiver la fosse. Incroyable. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé en vrai. Oh putain. On a trois cadavres. Pikman, d'accord. Neighbor. Nice. Hop 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 hop. Je suis juste ultra découvert. Cris des artilleurs. Ok. Plaf. Ouais. J'étais sûr qu'ils allaient balancer des saloperies ceux-là. Normalement ils m'ont perdu donc.
Ils sont en recherche. Intensive. Pour me retrouver. Oh non! Ah, quand même! On en a mis une. Il me semble que c'est comme ça qu'eux ils jouent avec les molottes, donc je fais la même. Je bombarde toute la zone comme un gros dégène. Putain, il y a des super mutants à côté de moi. C'était quoi ça? Il y a des super mutants. Faut que je fasse gaffe. Alors, on peut peut-être flinguer ça. Ensuite, flinguer ça si on peut. On va se soigner. Et par contre, il va falloir qu'on voit ce que c'est les super mutants qui traînent derrière nous là, parce que je les avais pas repérés avant. Donc, ça va pas trop le faire. Ah la saleté. C'est quoi ça? Prenez un steam, fait chier. Ah, on avait presque réussi à pas utiliser de steam quoi. T'engages le combat avec l'ennemi. Presque hein. T'engages pas le combat avec l'ennemi, connasse, c'est moi qui ai engagé le combat. Hein. Espèce de raclure de lavabo. Allez hop. Bon, t'as fini là? Voilà. Bon. Derrière nous. Quoi ce bordel? Il est super mutant. C'est quoi ce bruit? Rien en dégâts par contre. Oh putain, y'a un légendaire dans la masse. Ok, on est mort. On est mort, on va crever. Bon, c'est bon, on a réussi à se replier. Faut qu'on passe sur un truc un peu plus costaud. Genre ça, ça peut être pas mal. Putain, j'ai pas. J'ai des gros frags, ouais j'ai des gros frags, très bien. Que ça allait muter hein, sur la greue. Parfait. Bon. Ouais, ok. Et l'autre cadavre. Probablement lui. Il reste un bras. C'est véritablement scandaleux là. Ouais. On a désossé notre adversaire. En même temps, c'est de leur faute. Hein. Pas la mienne. Alors, masse fusion. Pia. Ah ouais, quand même. Hein. Un conscrit. Hop. On a
On est proche Good Neighbor. Hein. On est bien là, on est bien. Mais comment on charge d'ailleurs? Ouais, attendez. Ouais. On va se permettre de tout prendre. Et comme on est juste à côté de Good, on pourra vendre des trucs. On va se faire un peu de business. Voilà, on a mis tout le monde à poil. Alors, je sais pas ce qui nous repère encore, par contre. Je pense que là, on est à peu près arrivé. Ouais, c'est bon. Putain, incroyable! Incroyable! On a réussi à arriver à Good Neighbor. Et j'ai presque envie de dire. Sans galérer, quoi. On a fait le chemin là. Premier coup, quoi. Incroyable! Incroyable! On y est! Petit, fiable, raisonnablement puissant. Bof. Le 10 mm, moi je suis pas fan. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Ouais, ça te donne un problème, peut-être de con. Vous promenez ici sans assurance. Ouais. Du large. Laissez-moi tranquille. Ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah. Je riais tellement fort intérieurement que j'ai rien entendu. Ah ouais? Vous me filez tout ce que vous avez dans les poches. Où il va vous arriver des accidents regrettables, du genre qui font mal. Ah ouais. Temps mort. Va te faire foutre. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. On touche pas. Fous-lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn. J'ai dit fous-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. T'es pas sérieux, j'espère. C'est de moi qu'on parle, là. Approche, je vais te dire un truc. Il va le tuer. Pourquoi tu dis des choses comme ça, hein? Tu me brises le cœur, et c'est pas bien, ça. Ça va, mon pote? Oui. Moi, ça va... Oh, putain. Moi, ça va très bien, monsieur. Oui. Je vais bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. Oh non, la jamais. La devise de Good Neighbor, c'est par le peuple, pour le peuple. Bah oui, bien vous sûr. Suivez, tout le monde est le complètement. Bienvenu. Ah oui. Je vois. Ouais, je vous suis. Nickel. Restez cool, et vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron. Oui. Évidemment. Bien sûr. Bon, toi, on va te looter maintenant, hein. Bah, faut pas gâcher, hein, excusez-moi. Non. Hop. Bah, après, pour l'accueil de la ville, bon, on va mettre le cadavre un peu plus loin quand même. Hein. Là, juste à l'entrée, ça fera un peu négligé quand même. Voilà. Caché. Nickel. Bon. Vous trimballez une tonne de matos, on dirait. Bah. Oh, un nouveau visage. Et qui arrive sans hurler en plus, ça change. Eh ouais. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Troquer. Voyons ce que vous avez. J'ai un peu de tout. Comme on a récupéré pas mal de saloperies dans la rue, là, on va essayer de lui vendre tout ce qu'on peut, hein, bien sûr. De lait, mine, point américain, ça. Aussi. Ça aussi, ça aussi. Pure précision, ça c'est à moi. Arme de fortune, arme à verrou. On vend, voilà. Ensuite, on a de l'armure aussi, je pense, un peu. Hein, ouais. Ah. J'aime vendre plein de choses. Bon, après, je pense pas que là, ça me rapporte des masses, tout ça, mais bon. C'est toujours ça de prix, comme on dit.
Brassard droit. J'ai quoi en brassard droit, moi? J'ai du 10-5 et là j'aurais du 3-5. Ouais. Ouais, de toute façon, lui on va le garder, mais bon. Non, je me posais la question par rapport à la consommation des points dans le système de visée. Ça pouvait être pertinent, peut-être. Je sais pas. A voir. Gabrak, munitions. Oh non, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, mais elle a pas assez d'argent par contre, la bougresse. Qu'est-ce que tu proposes en armes? As-tu quelque chose qui m'intéresserait? Non. Non, non. Y'a rien, madame. En armure. Alors ça, oui. Alors ça, oui. Ah. Ah, j'ai pas tout acheté de suite parce que j'ai pas envie de me foutre non plus à poids niveau pognon. Mais on va retenir qu'elle a une autre armure qui nous intéresse, elle. Ouais, elle a du steampack aussi. Et elle aurait des munitions, bien sûr. Je vais prendre que ça, parce que ça me coûte déjà 817. Il ne reste plus que 3000 capsules, donc c'est pas foufou. Merci madame. Hey, pas une quête Daisy. Soyez pas timide. Si, on a des bouquins à ramener pour elle. Vous faut. Cherche du travail. Vous avez du travail? Il se trouve que oui, tiens. Des super mutants ont envahi la vieille bibliothèque publique de Boston. J'ai une tonne de souvenirs agréables de cet endroit quand j'étais encore une petite fille. Et encore humaine. Je vous donne 200 capsules si vous me débarrassez de cette bande de brutes verdâtres. Oui. Marché conclu, Daisy. Merci. Et tiens, puisque vous y êtes, est-ce que vous pourriez rendre ce livre pour moi? Je l'avais pris à la bibliothèque et je crois que je suis très légèrement en retard. Ah bah 200 ans, oui. On doit pouvoir dire qu'elle est légèrement en retard. Mon espace vital, monsieur. Salut. T'as un problème, toi, tête de con? Le con cause? Ouais, c'est ça. Chie-toi dessus et tire-toi. Ce petit bâtard. Bon. Au cas où vous posiez la question, on capte très bien Radio Diamond City ici, à Good Neighbor. Ce Travis, là, il s'est vachement amélioré. Ouais, je sais, ouais. Depuis que les couilles lui ont poussé, ça, c'est. Voilà. Ça, c'est l'effet Roubignol, ça. Bon bah du coup on est arrivé à Good Neighbor hein, donc on va juste voir pour récupérer la quête Silver Shroud là où je sais plus si c'est Silver Shroud c'est ça le nom avec Jean-Michel qui doit être par ici. J'ai l'impression que vous êtes au mauvais endroit trésor. Vous n'avez pas l'air d'avoir besoin de l'antre de la mémoire. Est-ce que vous savez au moins ce qu'on fait ici? Non, mais tu vas me raconter. Aucune idée. C'est quoi cet endroit? Le nom aurait dû vous mettre sur la piste. La mémoire, vous voyez? Nous permettons à nos clients, triés sur le volet, de revivre leur passé. Mais nous n'acceptons pas n'importe qui. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est un secret pour personne que revivre un souvenir peut permettre de s'offrir du bon temps, ou encore aider à se rappeler quelque chose qu'on a oublié ou perdu. Certes. Mais comme tout ce qui a de la valeur dans la vie, il y a une contrepartie, trésor. La première fois peut s'avérer traumatisante. Donc, je préfère garder une clientèle très restreinte. Des gens de confiance. Ça évite les mauvaises surprises. Ok. J'ai compris. Je m'en vais. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider, trésor. T'inquiète une autre pas. Fois, peut-être. Je reviendrai. Je reviendrai. I'll be back. La station mémorielle est prête? Oh, vous n'êtes pas Irma? Non. Salut. Good Neighbor, c'est l'horreur. Vol, meurtre et pire encore. Ah, des fois, ça fait du bien de s'évader un peu, vous comprenez? Si vous le dites. Si vous le dites. Vous écoutez Silver Shroud, vous? Non. C'est un type comme lui qu'il nous faudrait. Même quand tout a l'air perdu, il abandonne jamais. Je connais. On n'a raté jamais un épisode. Quoi, quand ils ont été diffusés pour la première fois? Comment c'est possible? Le dernier épisode est passé il y a des siècles. Je viens du passé.
Je sors à peine d'un très long sommeil cryogénique. Mince, c'est dingue! Vous êtes comme Mister Abominable dans l'épisode 83. Ce n'était pas... un homme des cavernes? Ouais, c'est ça. Ils l'ont retrouvé piégé dans un iceberg au large du port. Si vous venez de vous réveiller, je vous plains. Quand on voit ce que le monde est devenu... Oh non, ça va. Non. On dirait que les gens commencent enfin à reconstruire et à oublier la guerre nucléaire. À certains endroits, comme Diamond City, d'accord. Mais ici, on est encore loin du compte. J'ai une question pour vous. Et si Silver Shroud existait vraiment? Avec son nappe noire et sa mitrailleuse d'argent qui brille dans la nuit. Moi, je vais le faire apparaître. J'ai un plan. Il va combattre les méchants, ce sera un symbole d'espoir et de paix. Ouais. C'est bien. Félicitations. Bravo. C'est bien de vouloir rendre le monde meilleur. Je peux pas rester les bras croisés. J'ai fabriqué une mitrailleuse. Elle est encore mieux que celle de l'émission. Mais pour que ça marche, il me manque le plus important. Le costume de Silver Shroud. Oh. Et vous allez pas me croire. Il y en a un ici, à Boston. Il l'avait fait pour l'émission de télé. Vous voulez bien m'aider ? Oui. Je vais vous retrouver le costume. C'est vrai ? Vous êtes d'accord ? Hubris Comics avait commencé à filmer le pilote de la série Silver Shroud juste avant la chute des bombes. Le costume doit être là-bas. Franchement, merci beaucoup. Bon. Allez, hop. Non, je pense qu'on va, essayer d'aller à la fosse, là, maintenant. Et peut-être nettoyer la fosse. Ah oui, c'est que des pillards, hein. Et moi, les pillards... J'ai pas beaucoup d'affinité. Tout le monde, amenez-vous, on va causer. J'ai deux mots à vous dire. Bon, je sais qu'on a tous notre vie à gérer, pas de problème. Mais je voudrais pas qu'on oublie le plus important. Salut, Daisy, content que tu sois là. Comment va ma goule préférée? Paraît que t'as dîné en amoureux avec Marowski l'autre jour. Ah, il aimerait bien. Excellent, j'adore. Bon, revenons à nos rats de mouton. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah ouais, le plus important, c'est qu'entre monstres et estropiés de la vie, on doit se serrer les coudes. Et le meilleur moyen de rester on soudé, écoute le maire. C'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Vous croyez pas? Ouais, vas-y Hancock, on t'écoute. Et qu'est-ce qui peut nous éloigner les uns des autres dans ce grand et beau Commonwealth? Qui est le grand méchant loup qui veut la peau de notre communauté? L'Institut et les synthétiques! Exactement! Qui a dit ça? Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure, je vous filerai du jet gratos. C'est l'Institut. C'est lui l'ennemi. Pas les pillards, pas les super-mutants, et même pas ces empaffés de Diamond City. T'es sûr, Hancock? J'aurais bien botté les fesses de cet enfoiré de McDonough. Hey, je suis le premier à avoir une dent contre ce porc. Mais c'est pas de ça que je parle. Je veux que tout le monde se méfie de l'Institut. Quand quelqu'un commence à agir bizarrement, quand des gens commencent à faire des trucs qu'ils font pas normalement, quand quelqu'un de votre famille arrête de vous parler... Excusez-moi, je change juste d'arme. Parler sans raison valable. On sait tous qui se cache derrière ce genre de conneries. Et le seul moyen d'empêcher ça... c'est de se serrer les coudes. Ils peuvent rien contre nous si on n'a pas peur d'eux. Alors, qui a peur de l'Institut? Pas nous! Et dans quelle ville l'Institut a pas intérêt à mettre les pieds? À Goodneighbor! Et c'est qui le patron à Goodneighbor? Hancock! Pas le peuple, pour le peuple! Super. Vous allez voir, le quartier a quasiment pas changé depuis les... Ah non, mais bon, fallait quand même écouter le maire, on est... On respecte les politiciens quand même hein, sur ce stream. Enfin ça dépend lesquels. Là là là. Bon on va essayer d'aller à la fosse maintenant. Potentiellement purger la fosse. Allez. Allez, laisse-moi aller à la fosse. Ou essayer d'aller à la fosse, du moins.
Et un compagnon tombe au combat, utilise un steam pack sur lui pour le remettre sur pied. Pfff! Compagnon, il reste à la maison. Il se repose. Bon. On repart. Alors, la fosse. Oh oh. C'est quoi ça? Pourquoi il bouge toujours au moment où je tire dessus? C'est pas Trinity Tower là. Je vais te mettre en pièce quelque part. Ok, on est repéré là. Oh, il y avait encore un cadavre ici. On l'a raté. J'arrive ? J'arrive pas. Où t'as filé, hein ? On va te trouver. On va te tuer. Ah, il m'énerve. Dès que je tire, en fait, il bouge. Explosion de l'autre côté par contre. Hein. Bon, je vais pas dire que ça m'inquiète parce que le terme n'est pas bon, mais c'est assez bizarre. J'aime bien les cadeaux. Pas de sang pour aujourd'hui. C'est quoi ce bruit? Ah, j'ai réussi à tirer entre ses jambes. Soi-disant, je connais camarade cafard, bon voilà, hein. C'est qui est mort, tu peux me dire, là, le mutant, hein. C'est pas moi, hein. Espèce de bon à rien, mauvais en tout. Par contre, je peux voir un cadavre, ici, ouais, c'est pas ça, il y a bien un cadavre. Son arme lui aussi après tout. Une pack qu'on apprécie. Alors on pourrait éventuellement aller checker l'étage. Prendre le gun. Ce qui est bien avec les mutants, c'est qu'il tue plein de monde. Mais il les dépouille jamais. C'est cool. Ça rapporte toujours un peu de matos quand on passe derrière eux. Salut Ims, comment vas-tu? En cette fin de soirée. Non, parce que là t'arrives, on a quasiment rempli tous les objectifs de la soirée quoi. On a réussi à atteindre Good Neighbor, on a réussi à tuer des trucs, voilà quoi. Là on fait même des heures sup, on cherche à atteindre la fosse. Alors bon. Ah, pile à l'heure, non pas pile à l'heure, il me sent carrément à la bourre là tu veux dire. Excuse-moi de te le rappeler quand même. Hein.
pile à l'heure, c'est quand tu reçois la notif par mail que le stream se lance. Et là, la notif, t'as dû la recevoir il y a quand même quelques heures. Excuse-moi de te le rappeler. Quand même. Quel est l'intérêt de monter ? Ah, une caisse et un gun. Allez hop, on confisque tout. Oh putain. Ah oui, bah j'ai failli me jeter dans le vide. Hein. Là. Probablement ici. Et là, on doit pouvoir descendre. Voilà. Alors, on a dit la fosse. La fosse, on est où par rapport à la fosse ? Oui, c'est côté ici. Non, non, Imps, n'essaye pas. Tu n'es pas à l'heure du tout. Désolé de te le dire. Ouais, c'est par ici. Ah, on a un cimetière de l'autre côté. On va devoir faire gaffe. On va sûrement avoir du pop de ghoul. Bingo. On a entendu les ghouls. Et elle arrive pour essayer de nous faire un bisou dans le cul. Ouais, faut vraiment que j'arrête d'utiliser cette arme là au corps à corps. C'est une catastrophe cette arme au corps à corps. Je suis censé utiliser quoi au corps à corps moi? Pas celle-là. Et puis... espèce de petite merde de ghoul. Bordel. Bon. Alors, non, c'est pas du psycho que je veux. Steel pack et du radioweb. Bon. Bah, on va aller... purger le cimetière. De ces ghouls hérétiques. Il y en a une qui s'est barré par là. Bon, comment vas-tu, Imps, du coup, quand même? Le rasso, on s'en fout un peu. Capsule. L'ancien cimetière. Ah, oui. Un artilleur, bien sûr. Avec un gun. Et un sac, bien évidemment. Où c'est, où il y a une tombe aussi, il faut qu'on creuse pour récupérer un truc dedans. Peut-être pas là, je sais plus. Ouais, c'est l'autre côté qui sont. Bon, la fosse. Bah moi j'ai l'épaule gauche en vrac et la nuque en vrac. Suite à la séance de kiné d'hier. Donc c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Mais bon. Il paraît que c'est pour aller mieux, donc bon. Voilà quoi. Mais j'avoue que là, c'est pas un moment très agréable que je passe. La fosse par ici. Donc c'est là où il y a Swan dans le lac au milieu du truc. Je crois qu'on est arrivé à la fosse là-bas. Ouais, c'est ça. Plus rien.
Ah, en même temps, la fosse, je suis quasiment obligé d'attaquer. Je peux pas m'approcher du truc sans me faire aggro par les pillards. Donc, je suis obligé d'attaquer en réalité. Voilà, voilà. On a la bonne ligne directrice là, je pense. Où est mon fusil de précision? Ah, avec une tête en moins, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, quoi. Sachant qu'on a des super mutants de l'autre côté, super. La zone de l'enfer. C'est bon, on a trouvé la fosse. C'est rien. Enfin, je crois. Ça, c'est confisqué. Merde, c'était quoi ça? Mais c'est rien. Balle dans la demi-tête qui dépassait. Miam miam. C'est rien ça. Hein? J'entends quelque chose. Hé, hey, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Allez hop. Oui. Double. Parfait. On va attaquer la fosse, je vous dis que ça. Ça va saigner dans la chaumière. Et hop, tout ça c'est confisqué. On en a un là-haut à aller looter. C'est par où qu'on va? Par ici. Ah oui, lui on l'a bien tué lui aussi. Voilà. Voilà. Attention. Non, on récupère pas une droguée. Hein. Moi, je nettoie juste la zone, c'est tout. Hein. Je vais purger l'hérétique et l'hérésie. Bon. Alors, il n'y a pas de combat en dehors de la cage, pas de capsule, pas d'entrée. Oh, et il faut pas mendier. Est-ce que je peux pirater ça, moi? Ouais, on va le pirater. Alors, on va essayer quoi? Ça, zéro, dommage. Ça alors peut-être? Zéro aussi. Ah ouais d'accord, ok, c'est pas terrible alors. Ça peut pas du coup. Ça peut pas non plus. Ça peut pas non plus. Ça peut pas non plus. Ça peut pas. Ça non plus. Ça alors peut-être? Non plus. Oh là 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 là. Compliqué. Dancing. Ça y est. Voilà, parfait. Ouvrir la porte. Non mais c'est important d'ouvrir les portes. Bon, alors, un coffre. C'est un plaisir les coffres. Voilà. C'est bon. On prend tout. Ensuite. Hein. Quoi? T'es là pour te faire des potes? Dans ce cas, vas-y. Quelque chose. Alors moi, je suis pas là pour me faire des potes, les gars. Me dis que les autres vont t'adorer. Ah ouais, tu penses qu'ils vont m'adorer? Hein?
Tiens, voilà. Ça se confisquer. Et là, y'a rien. Non, mais en même temps, c'était des prisonniers, donc c'est qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Et on est conscient, quoi. Alors. C'est maintenant que les emmerdes vont commencer. On va se le faire au fusil de sniper, normalement. Si on peut. Qu'est-ce que... Ce type a rien à faire ici. Faites-lui la peau. Oh, mais vous savez même pas qui est là. Et de suite, faut lui faire la peau. Mais ça va pas du tout, les gars, là. C'est de l'agressivité gratuite. Franchement. Alors que moi, je viens gentil et tout. Limite affectueux, quoi, je viens. Je sais que t'es là. Je vais te trouver. Ah. On a un qui a failli venir, je crois. Ah ouais, il s'arrête là, à peu près. C'est ah. Peut-être fini. Il y a une queue de billard. Il est venu se positionner dans l'entrée. Aucun signe. Aucun signe. Bon, on aurait été trop court pour essayer de coller une balle proprement. J'adore. J'adore le faire one-one comme ça. C'est marrant. Fais voir ta gueule. En vrai, je pourrais même venir me planquer jusqu'ici. Là, je suis pas embêté ici. Il me voit pas, je suis caché. Bon, tu vois, Ims, on fait une partie très soft aujourd'hui. Hein. On n'est pas là en train de massacrer tout le monde à tour de bras. On se fait juste quelques copains par-ci par-là. Voilà. De manière tout à fait diplomatique. Ça en devient un art avec toi. Y'a quelqu'un. Ah oui, avec moi ça devient un art, je confirme. Ah, quand même flingué 3, ils ont toujours pas vu d'où ça venait. Hein. Sors de là, ce sera rapide. Ah. Ah, ça c'est ma grande passion, hein, ce genre de. D'attaque. Ah, mais je suis très amical, Imsia, tu vois. Je leur présente mes hommages. Voilà. Et y a pas de. Ça sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. Ah. Il a eu de la chance, lui. De retirer sa tête. Mais oui, je suis très amical avec mes petits camarades de jeu, tu vois. Faut vraiment être lâche pour se cacher. Mais je me cache pas, monsieur. Je vous attends dans l'entrée. Pour que vous me fassiez une petite visite des lieux. Que je ne connais pas. Ah. Bon bah là il y en a un qui est venu. Voilà. Alors, par contre maintenant il va falloir qu'on passe à autre chose comme arme. J'aimerais mieux comme ça. Encore ! Encore ! Ok. On a encore au moins 3, d'accord. Sa gueule de toute façon.
éliminer les uns et pillards, certes, mais je ne les vois point. C'est-à-dire qu'ils veulent que je sorte d'ici. Oh, les petits connards. Crève, putain. C'est pas très sympa, ça, par contre. Ok, ça, ça... Oh! Hein? Ah, fait chier. Évidemment, Steampack, quoi. Hein, on va être obligé. Back. Quel tocard, alors, celui-là. Ça, c'est à moi, du coup. Donc, manifestement, il reste quelqu'un en vie. Merde. Oh, reviens. M'amusez bien, moi. Là-bas. Là-bas qu'il est. Un peu loin. C'est un peu loin. Quand tu te pointeras, je te tuerai. D'accord. J'ai pris bonne note de la proposition. Mais par contre, je ne suis pas mort. Vous croyez que c'est fini? On veut pas d'ennuis. Pas plus que ceux qu'on a déjà. T'as qu'à aller voir, espèce de dégonflé. Et puis quoi encore? Je suis trop jeune pour mourir comme ça. Bon, ça va, je vais pas tuer tout le monde non plus. Hein. Ah non, je vais juste m'adonner... Vous avez fini de vous entretuer? À mon activité préférée. Oh. Récupérer mes récompenses. Je voilà. Sais pas qui vous êtes, mais on est avec vous depuis le début. Ah non, si t'avais été avec moi, t'aurais tué les autres, connard. Si vous approchez un peu, pas avec moi, t'es contre moi. Histoire de nous montrer que vous ne voulez aucun mal. Ouais, bon, on va aller lui parler, histoire qu'il arrête de parler. En tout, allez. Alors, vous voulez qu'on discute entre gens civilisés? Ou tout ce qui vous intéresse, c'est démolir toute ma boîte? Ouais. Quoi, tu te chies dessus, mec? Ouf, je m'attendais à pire. Je sais pas. J'ai eu droit à un sacré spectacle de là où j'étais. T'es encore défoncé ou quoi? Bah, quelle question. Je sais bien que c'est oui. J'étais quand même en train de gagner, non? C'est parce que t'es défoncé que tu fais des conneries. Mais bon, j'imagine que c'est pas ce qui va te préoccuper maintenant. On se retrouve au chômage, du coup. Je sais pas si je dois vous remercier ou demander à mon petit oiseau de vous faire bouffer vos tripes. T'as déjà dit de pas m'appeler comme ça. Je vous ai sauvé la vie. Bande de merde. Je vous ai sauvé la vie. Vous devriez me remercier. Vous remercier? D'avoir bousillé notre business? Excusez-moi si je vous applaudis pas. C'était pas détendre, d'accord. Mais on gagnait notre pain en divertissant ces abrutis. On s'en fout. Il en viendra d'autres, de toute façon. Laisse-moi juste une minute et j'y retourne. Une minute pour faire quoi? Pour que tu t'injectes encore cette saloperie? Non. Tout bien réfléchi, c'est peut-être pas une mauvaise chose ce qui vient de se passer. Vous avez vu la fin de ce combat. Qu'est-ce que vous pensez de Kate? J'ai vu mieux. J'ai vu mieux. Ça m'étonnerait. Vous lui dites ça alors qu'elle est encore armée et à portée. Ouais. Vous avez du cran, vous. Bon, voilà le problème. Depuis quelques instants, j'ai plus le moindre public. Oh. Et donc, plus aucune chance de gagner des capsules. Oh. Et si tu me rapportes pas de capsules, tu me sers à rien, petit oiseau. Oh, c'est pas très sympa. Tu deviens un boulet. Pour toi comme pour moi. Alors, voilà ce que je me disais. Si vous repreniez son contrat, elle vous accompagnerait, elle couvrirait vos arrières. Ça me rendrait bien service le temps que je remette un peu d'ordre ici. Qu'est-ce que vous en dites? Moi? Avec lui? Oh,
En fait, de base, j'ai dit qu'on prenait pas de compagnons, quoi, donc. Est-ce qu'on s'emmerde à embarquer avec nous, elle? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bon, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas? Quelqu'un pour m'aider, ce serait pas de refus. Parfait. Dans ce cas, c'est réglé. Tenez, prenez ça. C'est la recette du dernier combat. Une petite minute. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? T'en fais pas pour moi. Je vais tout nettoyer et après j'essaierai de trouver une clientèle moins sanguinaire. Allez, fiche-moi le camp. T'es plus la bienvenue ici, petit oiseau. T'es vraiment un salopard de première, Tommy. Eh oui. Pas la peine de me le dire. Bon, t'auras qu'à venir me trouver quand tu voudras y aller. Bon, elle est disponible pour nous accompagner, mais est-ce qu'on l'embarque avec nous vraiment? Je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai jamais bossé réellement les quêtes des compagnons. Hein. J'en ai toujours un peu rien eu à foutre, en réalité. Donc, est-ce que pour une fois, on ferait pas l'effort? Bon, je sais pas. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je laisse le chat décider, tiens, après tout. Moi, je décide pas. Prends tout ce qui pourrait servir. Ah oui, t'inquiète pas, on va prendre tout ce qui peut servir. Hein. Voire même tout ce qui peut pas servir, on va prendre aussi. Hein. Après, si le chat a pas d'avis non plus, eh bien, le choix sera le mien. Et voilà. Mais ouais, je sais pas trop. En vrai, ça ferait découvrir des trucs que je connais pas forcément dans le jeu. Hein. Donc bon. Ça pourrait être. Je vais dire pas mal. Hein. Alors que le chat dit amène-la. Bon, allez, Gertrude. Salut, viens. Kate. Alors, on y va? Ah, il paraît, ouais. Allons-y. J'en pouvais plus de rester planté ici. On se taille. Ouais. Mmh. Ah, je suis en surcharge. J'espère que ça en vaut la peine. Échanger. T'as pas quelques trucs sympas pour moi? Ah, si, si, on va s'arranger. Tu jouais avec une batte de baseball? C'est de la merde, ça. Ah oui, elle a pas d'armure non plus. Ah ouais, non. On va la mettre avec quoi? Carabine de combat plutôt, j'aurais tendance à penser. Voilà, ce sera un peu mieux. On va peut-être lui filer de l'armure. Un droit cuir. Ensuite un gauche cuir. On pourrait lui filer quoi d'autre? Gauche pillard jambe. Droite jambe cuir. Et on va lui mettre un plastron pillard. Voilà. Ouais, elle a un petit look hein, maintenant quand même. Hein. Elle ressemble à rien. C'est une horreur. Ah putain, ouais, bien sûr. Maintenant que j'ai un compagnon, j'ai perdu en charge et j'ai perdu en vie aussi. Ah putain. Ah oui, j'ai perdu en charge. J'ai perdu 60 à peu près. Bah tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On fera avec. Viens ici. Oui. Hey. Tu veux quoi? Échanger. Ce qui est à toi est à moi. Pas vrai, trésor? Bah c'est surtout à moi en fait, accessoirement, mais bon, voilà. Hein.
Tiens, t'as qu'à porter ça. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses là-dedans qui peuvent m'intéresser? Ah, oh, celle-ci, j'ai déjà dû la faire. Toi, t'as déjà été pillé. Là-bas, on a déjà pillé. De ce côté-ci, je pense qu'on n'a pas tout pris. T'as besoin. Ah, les premiers secours, on aime bien ça. Bon, du coup, on va travailler des quêtes de compagnons pour une fois. Ce qui est incroyable. Ouais. Avec cette serrure, dis-le-moi. Ou n'importe quelle autre serrure d'ailleurs. Je suis devenu plutôt doué pour rentrer là où on veut pas de moi. Ouais, bah moi aussi, t'inquiète pas. J'ai pas vraiment besoin d'aide pour forcer une porte. Allez, Micheline, viens, on se casse. Ah non, il y a un mec là-haut encore qu'on a pas pillé. Pardon. Même deux techniquement qu'on a pas dû piller. Il y avait celui qui était assis ici qu'on a snipé aussi. Ah, si, le cadavre était tombé en bas, on l'a pillé. D'accord, c'est cool. C'est cool. Ça, c'est un squelette, on s'en fout un peu. Et lui, on l'a pillé, donc c'est bon. Ok, allez. On se casse. Des ciseaux, des paquets de clopes. Hop. Bon, bah, du coup, on a récupéré un compagnon. Qu'on va utiliser. Mais alors, c'est-à-dire, si on commence à faire des quêtes avec elle. C'est-à-dire que tous les autres compagnons, il faudrait quasiment qu'on les fasse aussi, quoi. Mais est-ce qu'en une seule run, on a le temps de traiter tous les compagnons? Je pense pas. Il va falloir réussir à remonter l'affinité avec les compagnons, quoi. Ça va être chaud, quoi. Chaud. Il va falloir trouver ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Enfin, faire gaffe à ce qu'ils aiment pas, surtout. Piper, déjà, je sais qu'elle aime pas quand je drogue la vieille, donc bon. Preston non plus aime pas ça, d'ailleurs. Mais à ce moment-là, ça voudrait peut-être dire faire une colonie avec que les compagnons. Et puis voilà, quoi. Donc peut-être stocker tous les compagnons à Sanctuary. Probablement. Sauf Canigou. Canigou reste au Red Rocket. C'est le seul qui a le privilège d'être au Red Rocket. Ce bordel. Ça va être une vraie partie de plaisir. Ah, je suis en train de me faire tirer dessus là, en sortant direct, c'est quoi ce bordel? C'est n'importe quoi. Connasse. Bon, voilà. Bon, bah c'est cool. On a donc entièrement nettoyé la fosse. Et on va en rester là pour cette session. On va juste aller se parquer quelque part. Bah, peut-être à Good Neighbor en vrai, qui est juste à côté. On va se faire un voyage rapide à Good Neighbor. Et on va rester là-bas pour cette session. On va en rester là. Petite session. Alors je force pas trop parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'épaule qui est complètement déglingos, donc c'est pour ça que on finit pas trop tard ce soir. Merde. Et puis. C'est vraiment le trou du cul du Commonwealth. Moi qui croyais qu'on pouvait pas faire pire que la fosse. Mais t'as fini de te plaindre, oui? Espèce de dinde. Lucine, quoi. Allez, bref. On en reste là pour cette session. Et du coup, eh bien, c'est finito.